Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Jujutsu Kaisen Cursed Clash, mais pour enfin aller tester le Gojo et le Ghetto Jeune. Ouais, je fais les deux en même temps, comme ça c'est efficace. Ils sont obligés d'être ensemble, voilà. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de milliards et pouces bleus, bien évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Jujutsu Kaisen, mettre hashtag, bien évidemment, JJK en commentaire, comme d'habitude. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la petite cloche, ça fait plaisir pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quand vous vous abonnez avec la cloche, et bien tout simplement vous êtes dans l'onglet personnalisé, donc bien cliquer et mettre l'onglet tout pour ne rien rater. Bref, maintenant on est parti pour le test, let's go! Voilà, Gojo en mode élève, Ghetto en mode élève. Putain, ils sont stylés. Hein. Je préfère le Ghetto en termes de chara design pur. Mais vraiment, voilà, ils ont un flow de zinzin. En plus, on peut les changer en mode plage et en mode costard. Ça, c'est trop stylé. Vraiment, je kiffe. Allez, c'est parti pour aller les tester. Oh, regardez-moi cette cinématique. Il est trop stylé, ce Ghetto. Il est trop stylé. On est aussi sur la seconde nouvelle map. Voilà, parce que je me dis, voilà, faut découvrir les nouvelles maps. Ouais, c'est pas faux. Et franchement, regardez-moi cette map. Elle est incroyablement grande, contrairement à l'autre où c'est juste quasiment des lignes droites. Vous pouvez sauter, vous pouvez faire plein de choses. Et franchement, non, il est grave cool, cette map. Vraiment, je la kiffe, elle est trop belle. On va aller se taper avec Ghetto. Allez, le full carré, fais voir. Bam. Ok, il envoie des petites sphères. Sympa. Allez, le triangle. Boum. Oh, stylé avec la larve qu'il invoque en dessous. C'est trop stylé parce que ce Ghetto-là, il est vraiment un peu corps à corps. Genre, vraiment, il est un peu corps à corps. Je m'attendais à vraiment avoir un autre Ghetto un peu distance. Mais celui-là, il est un peu corps à corps. Et c'est cool parce que l'autre, il était vraiment exclusivement quasiment distance. Alors, oh là là, pour l'envoyer en l'air. Ok, le triangle en haut. Oh, pas mal. Le rond arrière. Oh, il tire au pistolet en mode balestique. Crac, crac, crac. Oh, ça, t'as l'impression que tu tires au gun. Oh, les décors sont destructibles. Et si je tape sur rond, tout simplement. Hop là, je reprends en aérien. On va voir son R1. Ok, donc là, son R1, en fonction de son niveau, il envoie plusieurs boules. Et... Ah, si. Ok, si tu fais arrière R1, ça t'envoie plein de boules en même temps. Et ça, c'est stylé. Le R2. Oh, t'invoques la meuf. Je suppose que c'est quand tu tapes avec un personnage, donc Toji ou d'autres persos, ils vont se prendre les pieux dans la gueule. On fera ça en combat, bien évidemment. On va aller tester la coop et bien évidemment l'attaque ultime après. Du coup, allez, on va tester la coop. Bam. Vas-y. Hop là là. Oh là là, la coop, elle va être incroyable. Oh. Magnifique! Oh, c'est une coop de taré! Wouah! Oh, elle est incroyable, la coop! Elle est incroyable! Bon, let's go de la TS! Oh là là, allez, c'est parti, la TS! Hop, je vous laisse mater ça! Oh là là, le dragon! Le dragon! Pa-pa-pa! Elle est incroyable! Et incroyable, sa technique ultime! Ok, maintenant là on teste Gojo Jeune. Ok, ah, l'entrée est pas mal. Ma map préférée restera celle de Toji, honnêtement. Ok, oh, mais ça se met en infini tout seul. Oh, t'es en jauge infini tout seul. Oh, incroyable. Allez, le full carré de Gojo. Bam. Oh, 4 coups. Triangle. Oh, c'est le AO. Oh, c'est le AO, le fameux. T'attrapes, t'aspires. Alors attends, le rond. Crac. Oh, tu peux le renchaîner de taré. Wesh. Il est incroyable. Ah ouais, le triangle, il est horrible. Genre, parce que c'est vraiment genre une TP sur le mec, quoi. Fais pas attention, Gojo, il t'arrive sur la gueule. Sans aucune putain de pression. On va voir son R1. Oh là là. Oh l'enchaînement. Oh putain, ça fait plaisir de voir un Gojo qui a pas une technique à distance aussi. Son R2. Oh, c'est le bleu. C'est le bleu. Le fameux. Ce bleu-là, par contre, il va être relou à affronter. C'est une... Dingue. Ah oui. Bien évidemment, je vous ai pas montré
Mais là, c'est pour vous montrer la coop avec les deux. Ils ont une petite entrée ensemble. Incroyable. Elle est masterclass, cette entrée. La petite coop, ensemble. Voilà. La petite coop à deux. C'est parti. Oh là là. Elle est incroyable. Ah, déjà, c'est... Oh. Boum. Ah, oh. Wesh. Il abuse de fou. Il abuse de malade. Incroyable. Oh, la coop, elle est masterclass. Mais oui, c'est clair. Et d'ailleurs, avec ce Gojo, vous êtes obligé de mourir une fois pour pouvoir passer en mode éveil. En gros, pour pouvoir utiliser la plein de potentiel de Gojo élève. Voilà. Là, maintenant, Ghetto. Allez, monte-moi la coop de Gojo Saint-Olu. Oh, elle est trop stylée. Ah là là. Ah, déjà, ça part trop bien. Déjà, ça part trop bien. Et ça colle parfaitement. J'ai changé aussi. J'ai changé aussi. Oh là là, sort inversé rouge. Oh la tête. La tête de Gojo. Voilà, maintenant j'ai mon attaque ultime. C'est parti. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse magnifique sur ça. Oh là là. Oh, elle est... Wouah. Elle est magnifique, la TS. Oh, on dirait l'animé. On dirait l'animé. Rack. Hop. Masterclass. Bon, on va aller les tester en combat, c'est parti. Bien sûr, je leur fais affronter leur version du futur. Logique, logique. Oh, cette entrée à deux là, c'est vraiment trop stylé. Ah, allez, c'est parti. Alors, j'ai pris Ghetto pour commencer. Allez, viens là, Gojo. Hop. Ah, bien sûr, j'ai pris le culte. Parce que, franchement, en termes de map, je pense qu'elle est, elle est meilleure pour les combats. Salut, mon pote. L'autre, elle est vachement belle, l'autre, mais... C'est relou de fou et... Alors que là, vraiment, genre, c'est vraiment direct. Aïe! Monsieur, t'es toi dans le passé, mais... Dose! Calme-toi. Hop! Crac! Ah, dommage. Oh! Ça, ça fait mal, monsieur Gojo Satolu. Nope! Ah, putain. Allez, viens là. Hop! Je pense que eux, tu les prends ensemble, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Les combats que tu fais avec, c'est fou. Rien à foutre. Hop. Aïe. Y a toi du futur, Gojo. Il s'agirait de. Oh là là. Ah, il ne le respecte pas. Bon, allez. Je me bats contre moi du futur maintenant. Crac. Allez, hop. 4. Terminé. Ciao. Kalami. Oh là là. On l'a vu. On l'a vu. Le truc de Ghetto, ça l'a attaqué direct. Ah aïe, j'ai pris le... J'ai pas trop apprécié. Oh non, ils ont fait une coop. Ok. Mon Gojo, il est mort. Ta gueule. Aïe. Oh bah, je me suis fait atomiser par moi-même du futur. Oh. Bon, voilà, on a gagné avec Gojo et Gojo. Oh, trop stylé en plus, du coup. Ah, oh, la fin, c'est le fameux... La fameuse fin. Trop stylé. Bon, on va faire un combat contre Toji, c'est parti. Hop, aïe. Ouf. On va dire que là, c'est ma première phase, Toji, c'est normal. Ah, ah bon, Toji, pas de soucis. Tu vas te calmer, hein, Toji, moi, je te le dis. Aïe, aïe, c'est pas ouf, ça. Et c'est un non. Allez, viens là, bam. Hop. Non. Ah, bah, dur. Ah, oh. Non. Ah, dur. Oui. Bon, on s'est fait tuer par Toji, mais maintenant, c'est à nous de te faire comprendre la douleur, Toji. Aïe, bab, crac. Tu veux quoi, Toji? T'es plus à mon niveau. Je t'ai dit que t'es plus à mon niveau, Toji. Boum, 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 boum. Oh, les dégâts qu'il lui met. Oh, vraiment, le AO par contre va être chiant, mais en équipe, genre. Pour attaquer à distance, c'est parfait le AO par contre. En 1v1, c'est pas bon. Allez, boum. Hop. Ciao, Toji. Tu connais les gardes parfaites, Toji. Hop. Je vais faire ça, Toji. Crac, 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 crac. Maintenant, c'est de te faire comprendre ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça y est, Toji. C'est terminé, Toji. Oh là là, on te finit comme dans l'animé, Toji. C'est ciao. Allez, imaginaire, violet. Ciao. Voilà, t'as compris que t'étais mort. Ah, bisous, Toji.
Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, on l'avait pas vu la pause de fin. Elle est incroyable, genre, moi, il te regarde comme ça, là. Eh bien, voilà, les frérots, ça y est, on a testé Gojo et Geto. Franchement, incroyable. Il faut les jouer en duo. Clairement, c'est des persos qui sont à jouer en duo. Moins Gojo. Gojo, tu peux jouer clairement seul. Il est vraiment trop fort. Vraiment, Gojo Judd peut rentrer dans cette catégorie de meilleurs personnages du jeu. Et ça va être incroyable à jouer. Franchement, Geto, très surpris. Une coop masterclass. Vraiment, elle est trop belle, sa coop. Tout seul, je parle que tout seul. Vraiment, non, incroyable. Les trois personnages étaient masterclass en DLC. Ils font extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live. Et encore une fois, pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la Mirai Family est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.